Salut à tous les amis, c'est Tayaki, on se retrouve pour la suite, hein, voilà. Le Magnus S. Moi je l'appelle le Magnus simplement. Le navire commandant d'une série de cuirassés de classe Palade. Les mécanismes mis en œuvre dans sa conception lui permettent d'être temporairement invulnérable à tout type d'armement connu. Les équipes de réparation à bord de ces navires sont les meilleures de tout l'Intania. Ils sont si doués qu'ils peuvent réparer des navires alliés se trouvant en proximité même pendant une bataille. Piloté par Klaus V. Teslo. Et regarde, franchement, c'est cette gueule de Muren. C'est super stylé. Et ouais, on sent le côté Tesla, quoi. C'est. Enfin voilà quoi, les images parlent d'elles-mêmes. Tout a l'air. Tout ressemble à des turbines électriques, je sais pas quoi, c'est. Et cette. Ouais. Là, du coup, peut-être pas une murène, mais anguille électrique, alors l'animal qui le couvre. Même si sa gueule à cause des dents me fait plus penser à une murène, mais ouais, une grosse anguille électrique. Voilà ce qu'il est. Et il me semble que c'est un Bismarck modifié. Pardon. Ouais, je suis un peu fatigué. Il commence à se faire tard. Mais ouais, je me sens que c'est un Bismarck modifié. Ou... écoutez, sans plus attendre, lançons-nous dans la bataille. N'empêche, ils ont dû bien se faire chier pour faire tout ça, toute cette décoration sur les navires et tout. Alors malheureusement, pour des questions de temps à cause de mon travail, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire plus de vidéos que ça. Je fais encore une après sur, j'en fais encore une sur le porte-avions. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur les navires. C'est vrai que j'ai même pas testé sans leur klaxon aux autres. Là on l'entend. Hein. Ah ouais, et là on a le côté Tesla quoi. En arrière? Pourquoi en arrière? What? Alors quand j'ai vu la portée des canons secondaires, je me suis dit ça sert à rien de le booster les canons secondaires. Par contre même ces canons principaux, ils ont une portée de merde. Ok. 8 km de portée seulement. Wesh. Ils se foutent tous déglinguer avant que j'arrive. Alors lui par contre, ouais. Il a son bouclier qui le rend invulnérable pendant 10 secondes. La zone de réparation qui dure 1 minute. Et là il répare, mais genre il répare tous les navires alliés. Hein, c'est... Attends, c'est quoi? Alerte, nous sommes poursuivis par l'ennemi. Activez les tours. Les tours ont été activées. Cette brume verte s'appelle la souillure. Si nous n'arrivons pas à sceller le portail, elle engloutira tout l'archipel. Et le reste du monde avec, je suppose. Allez, boum! Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire là.
comme les secondaires, ils y vont là. C'est bien de balancer les torpilles. J'ai une équipe efficace. Heureusement qu'il n'y a pas le tir allié, parce que mon allié là, il se serait pris 4 torpilles dans la gueule là. Bon, allez, par contre, les prochains, ils vont apparaître plus loin. C'est sûr et certain. Attends, encore pas. La citadelle. La citadelle touchée. Quand on fait ça, nos obus font leur maximum de potentiel en dégâts. Leur maximum de dégâts potentiels. Oui. Bon, mes secondaires, on va s'en occuper. J'ai pas le temps de tourner mes gros. Parce que. Bon, de toute façon, il vient de couler. Allez, préparation. Complètement raté. Et ça y va là. Prends ça. Ah, mes secondaires, ils y vont, hein. Ils arrêtent pas de tirer depuis avant là. Par contre, ouais, il est grand temps que je sorte de la souillure. Parce qu'elle est en train de me bouffer mon navire là. C'est horrible. T'as tous les tirs de mes canons secondaires là, 140, 91, wow. En même temps, sans les compétences commandants qui certes les rend plus précis, mais on est obligé de cibler un navire précis, les secondaires ils tirent sur tout ce qui est à leur portée, du coup forcément ça fait plus de tirs quoi. Bon, bah alors... Ceux qui sont censés pop là, ils pop pas ou quoi? Et mine de rien, on s'est bien débrouillé là. C'est vrai ça, oui. Où est-ce qu'il... Ah, voilà. Voilà, quand on en parle, Rasputin. C'est vrai que j'ai des torpilles, ils ont une portée de merde, mais j'ai des torpilles. Quoi? Déjà? Non, non, c'est impossible. C'est impossible de défendre cette tour. Ah, mais là, c'est sûr et certain. On était là, on était là. On pouvait la défendre. Mais, boum. Alors en fait, la première tour, c'est obligé qu'elle soit anéantie. Ouh, ça c'était le Rasputin, ça. Oui. Non, mais... On va se soigner.
peux pas les détruire quand... Avant que je tire, sérieusement. C'est eux là, c'est toutes les mini tourelles que vous voyez là. Tout ça, ce sont mes canons secondaires. Oh, le Grit, il est là-bas. Lyon l'a bêtement laissé s'échapper tout à l'heure. Précision de merde de ces canons. Oh, on est dans la souillure. Ouais, on m'a complètement bousillé un lanceur de torpilles. Ciblement en priorité ce truc là. Quant à nous, on va se réparer. Cibler en priorité ce destroyer. Oh, un petit coup de lag. En même temps, vu tout ce qui se passe là. Boum. Destroyer ennemi pulvérisé. Oh non. Torpille, je n'aime pas ça. Oh non, on a perdu un scarabée. Ce que je raconte moi. Ouh, prends-toi la citadelle dans la gueule là. Allez, protection, je suis invulnérable. Non, on va rester en AP, s'il te plaît. Ouah, c'est chaud. Attends, c'est les... C'est sérieux? Ben voilà. C'est rapide, c'est rapide. Les tendons de la guerre, lutter pour faire partie des meilleurs. Un peu de sûr. Là, je dois pas être. Je suis moins bien classé que des gens qui sont morts. C'est honteux. Mais bon, avec lui, c'est. Vu qu'il a un moins bon débit au niveau de ses canons que le croiseur,
Ben, on a tendance à faire moins de dégâts avec les. Regardez les trois croiseurs, ils sont devant. Ensuite, on a les deux cuirassés, un croiseur et encore un cuirassé. Voilà, on n'avait pas de destroyer avec nous. Eh ben. Ben voilà. Eh ben voilà. C'était Magnus. Et du coup, bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour une partie avec le porte-avions. Oh yeah! Allez, salut à tous!